Bonjour tout le monde, cette semaine, Studio Time avec, que vous ne voyez pas là, juste de l'autre côté de l'écran, Céline comme maquilleuse et Perrine qui va nous servir de modèle pour voir aujourd'hui comment réaliser vos shoots beauté avec l'aide d'un instrument qui est d'un modeleur qui lui est totalement dédié, à savoir le bol beauté que nous utiliserons principalement comme source de lumière avec et sans son nid d'abeille. On va voir en gros quelques setups assez simples et classiques qui vous permettront, si vous devez réaliser toute une série d'images dédiées beauté ou pour mettre en valeur des maquillages, qui vous permettront d'avoir un résultat qui sera très qualitatif. En effet, qu'est-ce qu'un bol beauté ? Un bol beauté, comme vous le voyez ici derrière, c'est constitué de deux parties. La première est le bol en lui-même, ici métallique, et vous avez un petit déflecteur en plein milieu. Le flash est situé derrière, la lumière rebondit sur le déflecteur, est renvoyée dans la courbe du bol et revient sur votre modèle. Alors, qu'est-ce que ça a comme particularité d'un point de vue lumineux ? C'est qu'en fait, on obtient une lumière qui est plus dure qu'une softbox, mais qui est beaucoup plus douce qu'un réflecteur standard, donc une lumière directe. Dès lors, on est un peu entre les deux, c'est très utilisé dans le milieu de la beauté et de la mode, justement pour cette qualité de lumière qui en plus donne, de par sa forme, qui est une forme un peu parabolique, pas vraiment, hein, mais qui donne en fait un fall-off de lumière assez rapide et assez esthétique sur les côtés. C'est raison pour laquelle on utilise généralement toujours le bol en étant face au modèle. Votre modèle peut regarder à gauche ou à droite, mais on utilise généralement face au modèle ou légèrement, alors très légèrement décalé si on veut donner un petit peu d'ombre et un peu plus de volume. Mais généralement, c'est l'idée. Si vous le mettez sur le côté et très loin, là, tout ce que vous risquez, c'est que vous avez une lumière dure standard, vous perdez vraiment la capacité du bol. Et donc, sa distance d'action optimale se situe généralement à 1 mètre, entre 1 mètre et 1 mètre 50 du modèle grand maximum, en sachant que ce bol-là est, je crois, 1,70 cm. Comme vous le voyez derrière moi, le premier set sera très classique, c'est-à-dire que nous aurons notre bol beauté qui sera en dessous. Nous allons avoir ici un réflecteur, un diffuseur rond, assez standard. C'est un 5 en 1, c'est la couche intérieure d'un réflecteur 5 en 1. Et en dessous, il y a un deuxième flash. Alors, ce qu'on appelle en anglais clamshell, en français on dit coquillage. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce setup? Le bol va générer des ombres. Et, alors généralement venant d'en haut, donc si vous êtes en dessous du nez, qu'on peut voir en fonction de l'angle à lequel on le situe, on va décider de quelle profondeur, quelle longueur et quelle intensité vont être les ombres. Et le diffuseur qui est en dessous avec le flash va permettre d'atténuer un peu ces ombres en fonction du résultat final que l'on souhaite.
7. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté le nid d'abeille sur le bol beauté. Alors, qu'est-ce que ça fait? En gros, ça va canaliser la lumière en fonction du degré d'ouverture des alvéoles dans une espèce de tunnel. Et donc, la lumière ne va plus, comme auparavant avec le bol, envelopper et se déplacer complètement en diagonale à l'extérieur du bol. Ici, elle va rester vraiment très droite, ce qui permet de foncer le fond et de rajouter un peu de contraste au niveau du visage. Toujours en dessous, pareil, le diffuseur avec le flash. Alors, on pourrait mettre un réflecteur. Je préfère avoir un flash pour avoir un petit peu plus de contrôle. Si vous utilisez un réflecteur, pour avoir plus de contrôle, vous le levez ou descendez. Et ça fera à peu près la même chose qu'un flash. Et dernier point que vous ne voyez pas, qui se situe juste là, sur le fond, j'ai mis un réflecteur, un flash avec un réflecteur standard sur lequel j'ai collé du scotch pour faire juste une petite auréole de lumière qui va venir juste derrière la tête de Perrine pour vraiment mieux la détacher du fond et en rajouter encore de la tridimensionnalité à la photo. Ce troisième set, nous allons changer un petit peu de style, c'est-à-dire que cette fois-ci, comme vous voyez, nous avons le bol qui est là, il n'y a plus de nid d'abeille, c'est le bol tout seul. J'ai rapproché Perrine, que vous voyez ici, près d'un mur blanc, et de chaque côté, vous avez un là et un là, vous avez deux flashs avec des réflexeurs standards qui sont orientés sur le mur, qui sont placés à peu près à demi à 10 cm derrière Perrine, de façon à ce que la lumière du flash ne vienne pas directement sur elle. La lumière va partir sur le mur, va revenir sur elle et va lui faire une espèce de retour blanc ici, au niveau du dos. C'est un style assez classique pour ce genre de photo, mais au moins maintenant, vous saurez comment on le fait. Pour le setup suivant, Perrine s'est changée et Céline lui a fait un autre make-up qui est un petit peu plus rock, avec les yeux plus noirs, avec plus de paillettes argentées. Comme vous voyez, hop, elle est derrière moi, elle a mis une tenue de circonstance avec le bustier rouge qui va avec les lèvres, avec le pantalon style vinyle qui brille, qui rappelle les yeux. Et pour l'éclairer, nous avons toujours notre bol beauté. Alors vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer juste là. Il est juste là au-dessus. Il est là, avec son nid d'abeille, pour juste avoir une lumière qui est un peu plus canalisée sur Perrine. Nous avons de chaque côté deux strip box
pour lui créer deux côtés, deux traits lumineux sur le côté, vraiment lui donner plus, la détacher vraiment plus du fond. Nous avons ici, alors je sais pas si vous voyez, juste là en dessous, il y a un snoot pour créer juste une petite tache de lumière juste derrière elle, à peu près derrière sa tête, pour vraiment encore plus la détacher du fond et lui donner encore plus de profondeur. Et juste derrière moi, ici, tac, vous avez une stopbox qui est placée dans l'axe de l'objectif de façon à déboucher un peu les ombres au niveau du pantalon, lui donner l'aspect brillant du vinyle sans changer quoi que ce soit au setup que vous voyez là. Et maintenant, on va faire les photos pour que vous voyez le résultat. Et voilà, nous sommes maintenant arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées pour tous vos sets beauté. Alors n'oubliez jamais, pour faire une bonne photo beauté, il faut déjà des gens qui travaillent très très bien au niveau maquillage, comme Céline, et au niveau modèle, comme Perrine. On peut les remercier. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo les liens vers leur réseau, allez les suivre, allez voir ce qu'elles font comme travail, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème, et d'ici là, amusez-vous, n'oubliez pas, c'est le principal. Ciao ciao !